Hello, aujourd'hui je prends ma make-up révolution et on va travailler avec une couleur brique. Je prends mon pinceau boule et je viens le mettre donc au coin externe et je remonte donc au niveau du pli palpébral, paupière fixe, paupière mobile et j'estompe au maximum. Regardez le résultat. Je viens prendre une couleur plus claire et je vais la mettre au coin interne de l'œil pour pouvoir justement avoir cet effet ouverture du regard. Ensuite, je prends un fard un petit peu plus pailleté et je viens le mettre au coin externe et au coin interne. Voilà, au niveau de la paupière mobile, je remonte un tout petit peu sur la paupière fixe pour pouvoir avoir donc un effet dégradé. Je reprends un petit peu de couleur brique et je viens estomper au maximum donc pour avoir un effet dégradé. Le but de cette vidéo est de vous montrer le temps d'estompe par rapport au make-up qui est hyper important. C'est-à-dire que souvent dans les vidéos que je vois, donc là je suis encore en estompe, le make-up se fait en 2 minutes alors qu'effectivement pour avoir un make-up de qualité, on n'hésite pas à travailler l'estompe. Ensuite j'ai mis un petit peu de couleur brique au coin interne, au coin externe pour pouvoir accentuer le make-up. Ensuite, j'ai pris une couleur claire que je viens mettre sur ma paupière mobile et je remonte un petit peu sur la paupière fixe. Ensuite, je viens travailler mon fard pailleté de ma Make-up Révolution pour pouvoir faire un trait de eyeliner. Je travaille mon ras de cils supérieur et je viens affiner ma queue de eyeliner avec mon pinceau biseauté. Ensuite, je vais venir travailler ma lignée de queue de eyeliner avec un correcteur. Et ensuite, j'affine ce trait. Regardez, c'est très 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 facile et on a un résultat vraiment au top du top. J'applique au ras de cils inférieur donc mon col noir. Ensuite j'ai pris de la couleur brique et je viens travailler mon ras de cils inférieur et je vais venir donc l'estomper pour pouvoir avoir cet effet flouté. Ensuite je retravaille certaines parties du maquillage. Comme je vous ai expliqué, l'estompe est vraiment la clé du make-up. Je remets un petit peu de fard pailleté un petit peu plus prune au niveau du ras de cils inférieur. Et là je viens faire donc mes cils. Ensuite je remets une couleur claire au coin interne de l'œil pour ouvrir encore le regard et finir donc les petites finitions en dessous le sourcil aussi pour éclairer. Je retravaille un petit peu mon make-up toujours en estompe et là je viens faire mon contouring avec donc un blush, regardez, donc que je mets donc au niveau de mes pommettes. Donc juste un tout petit peu en dessous. Ensuite, je viens mettre du highlighter. L'highlighter qui se met sur les zones fixes du visage pour pouvoir capter la lumière. Ensuite, je vais venir mettre un peu de correcteur sur mes lèvres. Et ensuite, donc, j'ai pris mon Beauty Blender et je viens donc tapoter pour pouvoir donc avoir une base et venir donc dessiner mon contour des lèvres avec un crayon de couleur brique. Je vais accentuer mon contour des lèvres avec une autre couleur prune pour pouvoir avoir donc cet effet un petit peu orangé-rouge que je retrouve donc sur mon make-up. Pour pouvoir justement accentuer cela, j'ai utilisé un gloss un petit peu marron, un petit peu rosé, un peu orangé, très clair pour pouvoir donc harmoniser le make-up et ne pas trop en faire au niveau de la bouche et garder donc un maquillage de qualité. Donc je continue, donc je finis mon contour de la bouche et là je vais y rajouter une petite poudre highlighter et qui va permettre de matifier mon lip laqué. Ensuite je mets donc un gloss pailleté par-dessus, voilà, pour avoir cet effet glow up au niveau des lèvres. Donc on a un résultat glossy glossy translucide au niveau donc du lip. Il est vraiment trop joli. On a un résultat, regardez, qui est extrêmement joli. On est sur de la création. J'ai harmonisé les couleurs du teint, du visage et j'ai joué avec tous les reflets pour pouvoir avoir cette couleur. Donc, c'est une couleur qui est adaptée aux yeux bleus. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!